Dieu, viens à mon aide.
De l'épître de saint Paul apôtre aux Philippiens. Travaillez à votre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant, car c'est l'action de Dieu qui produit en vous la volonté et l'action, parce qu'il veut votre bien. Faites tout sans récriminer et sans discuter. Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache. Le Fils de l'homme sera livré aux païens pour être crucifié, et le troisième jour, il se lèvera d'entre les morts. N'oublions pas que l'amour du Seigneur est de toujours à toujours. Supplions le Christ, ami des hommes. Toi qui guéris la fille de la Cananéenne. Qui renouvelle la chair du lépreux. Souviens-toi de nous sommes au ciel. Toi qui délivres les possédés. Souviens-toi de nous sommes au ciel. Toi qui t'assieds à la table des pécheurs. Toi qui connais le cœur de Madeleine, souviens-toi de nous.
qui pardonne le reniement de Pierre. Toi qui réclames à la tombe la vie de Lazare. Souviens-toi que nous sommes poussière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Amen.